partir d'aujourd'hui, juste sache que je suis ouvrier des bandits. Est-ce qu'on récompense quelqu'un qui travaille pour nous? Do we pay someone that is not working? Au ciel, il y aura des récompenses. We have the reward. Et je me suis posé la question. And est-ce qu'on va se récompenser les hommes de Dieu? Are we only going to pay? Are they going to pay men of God? Non. No. Parce que même vous êtes les ouvriers. Because you, you're the work, your work has before. Donc Dieu va récompenser les hommes de Dieu. So God is going to reward men of God. Mais il va aussi vous récompenser. He too will reward you. Et certaines de vos récompenses seront plus que pour les hommes de Dieu. And maybe most of you here, your reward will be greater than men. Est-ce que vous le savez? Do you understand? Voilà une histoire qu'on m'a racontée. That this is the history that somebody told. Il y avait un homme de Dieu puissant. He was a great man of God. Et il avait une femme à l'église. She was a widow. Il avait déjà prié pour tout le monde. He had already prayed for. Quand il priait les paralytiques marchaient. When he prayed, paralyzed people walked. Quand il priait, les gens guérissaient. When he prayed, people were healed. Le sida guérissait. Les cancers guérissaient. Mais la femme-ci qui était infime. When this woman that was a nun. Quand il vient prier, il dit que non, ne prie pas. When she comes to pray for her, when the man of God approaches her to pray for her, she says, "When il est parti dans la chambre, il demande au Seigneur, and he asks the Lord, pourquoi la femme s'y est prise? What is this woman telling me? Est-ce que la femme s'y est sorcière? Is this woman a witch? Avec tout l'onction si déjà. With all the la pourquoi je prie pour la femme s'y est? Why is he down praying for this woman? Et il a eu une vision. And he had a vision. Et dans la vision, il voit le Seigneur. His vision, he saw the Lord. Le Seigneur lui montre sa maison. The Lord showed my house to the man of God. Il voit sa maison au ciel. Il est beau. C'est une belle maison. And he was happy. Et de l'autre côté, on the other side, il voit une maison dangereuse. He saw a dangerous house. Il dit que ça, la maison, c'est seulement pour qui? He said that this dangerous house is for me. Il regardait tout ce qu'il faisait. Looking at all what he was doing. Comment il priait? How he comment il méditait? Il dit que la maison-ci là. This house est beaucoup plus grande que ma maison. It's bigger than my house. Ma maison est belle. My house is beautiful. Mais la maison-ci est très belle. This house is too c'est pour qui? Who is for who? Et Dieu lui montre que la maison là. Did God show him that c'est pour la femme d'une fille. Is this nurse qui reste toujours dans ton église assise là-bas toute la maison? That is always calm in your church. Il dit que c'est pas possible. He said no, it's not possible. La femme là, est-ce qu'elle prie comme moi? Is this woman praying like me? Est-ce que la femme là fait des miracles comme moi? Is this woman performing miracles? Est-ce que la maman là, elle enseigne comme moi? Is this woman teaching the way I teach? Vous savez ce que Dieu dit? Do you know what God told me? Que l'onction que tu as là, the onction là, c'est les prières de la mère. Is the prayer. Amen. Quand la mère rentre chez elle, when she goes home, voilà la prière qu'elle fait. This is the prayer she does. Seigneur, Lord, est-ce que je sois toujours une fille? I know it's always me. Toujours avoir le temps. To have time. De prier pour l'homme de Dieu. So, parce que si je commence à marcher, because if I start going, je n'aurai plus le temps pour prier. I will not have time to pray. Quand il est rentré à l'église, she went back to church. Mais il est devenu calme. He became humble. Il a compris que. He understood that. Ce n'est pas parce qu'on est ici derrière. It's not because we are in front of the people that we are greater than he that is seated on the chair. Tout le monde est ouvrier. Everyone is a worker devant le Seigneur. Before the Lord. Si ta part que Dieu t'a donné, in your own that God has given, c'est de venir arranger les choses. Come and arrange these chairs. Avant 16h. Before 4. Fais ça. Do it. Avec joie. With joy. Et tu auras ta couronne aussi. And you will have your crown in him. Si ta part qui t'a été donnée, if your own that was given to you, c'est de venir jouer le piano. Is to come and play the piano. Joue ça bien. Play it well. Avec joie. With joy. Et tu auras ta couronne. And you will have your crown in him. Si ta part qui t'a été donnée, if your own that was given to you, c'est de lever tes enfants dans le Seigneur. Is to raise your children in the Lord. Élève bien tes enfants dans le Seigneur. Bring them up well in the Lord. Et tu auras ta couronne aussi. And you will have your crown in him. Tout cela. We here, nous sommes dans le monde. We are in trouble. La Bible dit que the Bible says, celui à qui Dieu a beaucoup donné, he that God has given plenty, va aussi réclamer. He needs a lot to fulfill. Donc nous c'est même compliqué. For us it's too complicated. Pour avoir la couronne. To have that crown. Parce que comme on nous a donné beaucoup de dons, because as he has given us too many, on exige aussi beaucoup de travail. We need to work a lot. Il y aura beaucoup plus de simples chrétiens au ciel que des pasteurs. There will be many simple Christians in heaven than pastors. Parce qu'on est plus dur avec les pasteurs. Because
Donc je peux dire que vous tous voulez être là. C'est le problème. La fait, c'est que vous cherchez tout ça. Que quand vous le voyez, vous dites que non, là-bas c'est bon. Il y a la grandeur là-bas. Il y a même l'argent là-bas. C'est le problème. C'est le problème. Donc, si Dieu ne t'appelle pas, tu forces pas. Reste dans ton pouvoir. Prie ton Dieu là-bas. Je vous dis la vérité.